Ce n'est que très par hasard que j'ai découvert que l'instrument que j'étudie n'est pas un basson. Elle avait peur. Son front perlé de sueur. Elle avait accepté cette petite promenade en mer et... Mais un fagotto. Ce n'est pas la même chose. Mais à l'école de musique, on ne nous parle pas. C'est... Maintenant, elle regrettait d'avoir accepté cette invitation. Luigi se croyait romantique et ne... À peine si on nous dit bonjour. Je me décourage, je me déconcentre. Jamais je ne pourrai jouer. Remarquez pas les crispations, ostentatoires pourtant, des mâchoires de sa passagère. C'était un... Le sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Ce qui sera fort dommageable étant donné que c'est la... Beau jour de printemps, une mer d'huile, quelques courants à l'Iséa à sécher les visages, les... Les seuls subterfuges que j'ai trouvés pour séduire Sophie, musicienne accomplie. Pourrais-je combler... Sensation de bleu inonder le paysage ciel-mer au point de saturer le point de convergence. Mon retard? Non, mais que faire d'autre? Lui parler? Impossible de découvrir le moyen d'ouvrir... L'horizon. Cette ambiance contient avantageusement l'émotion et ses aléatoires crises d'asthme. L'horizon. Cette ambiance contient avantageusement l'émotion et ses aléatoires crises d'asthme. Sophie tremblait intérieurement et ses os, en vibration, aspiraient à retrouver la fermeté du sol. J'avais bien une autre alternative, lui écrire. Mais cela m'était insupportable. J'avais pourtant essayé... Elle tenta de raisonner Luigi, son professeur au conservatoire, et amoureux lourd, très lourd, afin... À maintes reprises, sur des supports divers, papier en tête, feuilles de cahier, mais même sur un... Qui la ramena vers la côte? En vain. Luigi, pris à son propre jeu qui s'avérait un piège, était dans... Confetti. Le problème eût été le même. La flamme amoureuse dévore et assèche les encriers. Un état d'euphorie quasi pathologique. Ses yeux luisaient de manière un peu inquiétante et se... Qu'importe. Il ne me reste qu'à rêver comme un adolescent prépubère en faisant semblant... Sourire presque carnassier qui lui fendait horizontalement le visage donnait l'impression à Sophie... D'étudier mon instrument de musique qui, je le pense, contient la solution à mon problème. De se trouver face à un requin mangeur d'hommes. L'angoisse perdurait. Luigi cessa de ramer... Autistique. Ce qui est parfaitement illusoire, j'en ai conscience. D'autant plus que je sais... Instant, et s'approcha de Sophie. Déjà ramer conférait à Luigi un air parfaitement imbécile. Parfaitement où se trouve Sophie. Sur une barque en compagnie de Luigi. Son, mon professeur. Mais tenter de traverser la barque, légèrement remuant sous les effets de la houle d'été par... De musique? Je pense que je vais aller les attendre au ponton. Je sais, c'est risqué, je pourrais... Que même sur une mer d'huile, la stabilité est précaire sur une si petite embarcation, ajoutée à la... Éventuellement tout perdre. Mais je fais partie de cette catégorie individus classés génétique loser. Stupidité de son apparence, une ineffable gaucherie crétine. Le nouveau problème dont nous ne... Nous ne figurons dans aucune catégorie. Nous sommes à part. Nous sommes orphelins. Déjà... Nous ne sommes pas responsables et radicales. Luigi vient de tomber à l'eau. Lourdement. Il flotte tel un... Un état d'excitation me propulsa vers le ponton des Goudes. Triste et heureux. J'aperçus le profil... Poulpe soumise à l'attraction marine. Alors que l'embarcation, poussée par le vent doux et amical... Joyeux de Sophie... Promu capitaine d'un navire d'errance et de courage, timide, mais ointe. Plein de bonnes intentions, rejoignit son port d'origine pour débarquer Sophie, fébrile et ivre de désir. Elle se jeta dans mes bras, moi, son amoureux impatient, dont les mains changées en tentacules la renversèrent sur la plage. Il faisait jour et nuit, chaud et froid, et je laissais mes doigts affairés dans son corsage.